Donc, il y a eu un cambriolage. Et donc, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai eu un accident. J'ai passé la nuit aux urgences. Et donc, en fait, il faut que vous m'aidiez. J'ai un cambriolage, donc j'ai un cambriolage, j'ai passé la nuit aux urgences. Et vous avez constaté une infraction Non, c'est bizarre d'ailleurs. Non, il n'y a pas eu d'effraction. Mais en fait, quand je suis allée dans mon grenier, et en fait, j'ai une collection de Johnny. Une collection de quoi, justement ? Une collection consacrée à Johnny Hallyday. C'est vraiment, je pense que c'est la plus grande collection du département, même de France. Et qui ça ? Une collection consacrée à Johnny Hallyday. En fait, je suis une super fan. Même dans ma douche, je dors Johnny, je mange. C'est un Johnny. Acteur américain, ça. Je... Non, je suis en train de vous parler de Johnny Hallyday, le plus grand chanteur de tous les temps. Non, vous foutez de moi là. Non, bon, ok. Écoutez, il se passe des trucs très bizarres depuis ce matin. Ça va rentrer dans l'ordre. Mais par contre, je pense que j'aimerais bien parler à un policier, un agent de police avec un képi et une matraque. Un homme. Je vous conviens pas, c'est ça ? Non, mais... Enfin, pas vraiment. En fait, je pense qu'un homme me comprendrait mieux. Vous connaissez pas Johnny, donc... Et soyez gentille. Appelez-moi quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. C'est vraiment important. C'est super grave, comprenez ? Bonjour. Quel est votre problème ? Alors, merci. Donc, monsieur, on m'a volé tous mes disques de Johnny Hallyday. Alors, il y avait une collection... complète collector dans mon grenier. Les disques de qui ? Sylvain. C'est une blague en fait. Vous êtes de mèche avec la fille. C'est vous qui avez piqué mes disques. Non, pas mais vous voulez un mouchoir, un verre d'eau ? Je suis victime d'un complot, en fait. Appelez-moi votre chef. Oui, si vous voulez. Appelez-moi votre chef, hein, parce que... Madame, allez prendre l'air du mieux. Ils sont peut-être ici, les disques. Je ne vois pas bien de qui vous voulez parler. J'ai noté... Johnny Hallyday, donc, c'est le plus grand chanteur français de tous les temps. Moi, je n'écoute pas beaucoup la musique, mais ça n'a pas d'importance. Allumez le feu. Ça vous dit ça ? Non, mais peu importe. Donc, vous avez constaté un vol sans effraction. Ça n'a pas d'importance, madame, si vous ne connaissez pas cette histoire. Mais je vous dis, ma collection, dans le grenier, tout. Je n'ai jamais même dit à personne. On m'a tout volé. Je vous présente mes sincères condoléances. Mais vous foutez de ma gueule en plus, hein ! Vous foutez de ma gueule! Il y a une fontaine à eau là-bas derrière. Vous foutez de ma gueule! Mais pas du tout, j'essaye de comprendre, madame. Mais pourquoi vous me dites ça? Pourtant, les gens, je suis capable de vous dire qu'il y a quelqu'un de mort! Je vous dis que j'ai perdu mes disques! Les disques de Johnny! Ça fait 20 ans que j'entrepose tout dans le grenier! J'ai bien noté. Appelez-moi! Il faut quelqu'un qui m'aide! 5 minutes! On m'a tout volé! J'ai entendu. Prenez 5 minutes de pause. Appelez-moi votre chef. Appelez-moi votre chef. Appelez-moi votre chef. Sécurité, s'il vous plaît. Il faut vous m'aider. Non, mais c'était une blague, elle est pas drôle. Non, ce n'est pas une blague. Elle est pas drôle, ce n'est pas une blague, madame. On essaye de faire de notre mieux. J'ai noté votre déposition. Non, mais vous avez bien noté le vol. Vous êtes trop jeune, peut-être. Appelez-moi votre chef, il est vieux. Il va connaître.
mon chef. Parce que ça, un chanteur, il est mort. Alors peut-être que vous connaissez pas. D'accord, mais c'est ça. Vous connaissez pas. Mais là, en fait, il est mort. Appelez-moi quelqu'un d'autre. Madame. Et on m'a tout volé. Et vous comprenez pas. En plus, un fake de dingue. Mais en plus, vous savez quoi, je vais demander si on a rien retrouvé ce matin. D'accord. Je vais vous apporter un verre d'eau et je vais aller voir auprès de mes collègues si on n'a pas retrouvé quelque chose ce matin. Ça va? D'accord. Non, mais c'est pas quelque chose. Oui, non, une collection. Mais c'est un truc énorme. Ça a pas. Ça, en fait, vous comprenez, ça a pas pu disparaître d'un seul coup. Il n'y a pas eu d'effraction chez moi. C'est un truc de dingue. D'accord. Tu vas aller voir. Et on va peut-être appeler les collègues. Je fais un cauchemar, en fait. Non. Pas sûr. Si, c'est ça.